Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo exploration de ma bibliothèque. En fait, j'avais envie, enfin, je me suis dit que l'idée pouvait être sympa de vous montrer les plus gros pavés qu'il y a dans ma bibliothèque. Vraiment les livres les plus massifs avec un très grand nombre de pages, qu'ils soient dans ma pile à lire ou qu'ils soient déjà lus. Enfin, voilà, du coup, je vais vous montrer tout ça. J'ai pas encore regardé ce que j'allais vous montrer. En fait, je pense que je vais passer dans les rayons et je vais vous montrer les livres, bah voilà, les livres les plus gros. Je sais pas, je me suis dit que l'idée pouvait être marrante et que ça permettait bah, de vous parler de livres dont je vous ai pas déjà parler, enfin bref, de parler de nouveaux livres sous un format un peu différent. Donc voilà, bref, je vais vous poser quelque part et puis bah je vous embarque avec moi dans cette petite découverte de ma bibliothèque. J'espère que ça va vous plaire. Parce que là vous voyez bien, parce qu'en fait je peux pas pousser le canapé, enfin je pourrais mais j'ai un peu la flemme. Donc voilà, alors bah, je vais chercher les premiers livres. Bah voilà, là juste devant moi j'ai un parfait spécimen du gros pavé, de la grosse bricasse. Il s'agit de la Fraternité du Panka de Pierre Bordage, et en fait je sais pas combien il y a de livres dedans, c'est un intégral, je sais pas, il me semble qu'il y a 5 tomes, je vais vous dire ça. Alors le papier est super fin, vraiment le papier est ultra fin, et il y a combien de pages là-dedans? 1944 pages, pfff. Donc voilà, et du coup il y a combien de livres? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a les 5 tomes de la saga là-dedans. Et c'est de la science-fiction. Alors si je me trompe pas, enfin je vais lire le résumé pour être sûre quand même. Alors le résumé c'est pas très clair, mais en gros c'est du space opéra. On est en fait dans notre univers, dans le futur, et il y a un danger dont j'arrive pas trop à cerner les détails qui menace l'humanité, un danger vraiment très important. Et en fait il y a des gens qui sont des frères et des sœurs qui appartiennent à une espèce de groupe qui s'appelle la Fraternité, qui va essayer de sauver l'humanité. Pour ça ils vont parcourir l'espace, aller voyager dans l'espace, nanana. Ewen, Inold, Kalkin, Onden, Eltor, 5 maillons qui répondent à l'appel et traversent l'espace et le temps pour réunir, comme les 5 doigts de la main, faire que cette main se change en poing et frappe sans pitié ceux qui tentent d'arrêter la vie. Donc voilà, en fait c'est pas bien clair le mystère qui, enfin le danger qui plane sur l'humanité, mais en tout cas le livre a l'air très très cool. Là comme ça me fait un petit peu penser à La Plaie de Nathalie Enberg, qui était un roman de science-fiction que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était une espèce de roman d'aventure, épopée lyrique flamboyant, très bizarre mais très cool aussi, enfin que j'avais bien aimé, qui avait une ambiance vraiment particulière et... Enfin bref, c'était cool. Et ça, là, le résumé m'y fait un petit peu penser, mais comme vous pouvez le constater, il est vraiment énorme ce livre. Mais voilà, en tout cas, celui-ci, c'est mon copain qui me l'a offert et vraiment, j'ai très envie de le lire. Mais bah, comme il est vraiment très gros et que j'ai toujours plein de livres à lire, plein de choses dans ma pile à lire, ce genre d'énorme pavé, j'ai toujours un peu de mal à me lancer dedans. Encore de la science-fiction, et là encore un pavé, mais alors un peu moins impressionnant que le premier quand même. Il s'agit de l'intégrale Les Champs de l'Espace de Samuel R. Delany, paru dans la collection 10 ans, enfin l'édition collector de 10 ans de Bragelonne, vous savez, qui sort tous les ans. Et en fait c'est un recueil qui réunit plusieurs romans et plusieurs nouvelles de l'auteur, c'est donc de la science-fiction. Il y a 7 récits, et il y a notamment à l'intérieur Babel 17, qui est un récit de science-fiction qui est fondé sur la fameuse hypothèse linguistique de Sapir-Whorf, dont je vous parle assez régulièrement, qui du coup va parler de linguistique. Celui-ci j'avais très envie de le lire, donc voilà, faut vraiment que je me motive, au moins que je lise le tome de... bah que je lise Babel 17. Je vous lis le résumé de Babel 17, du coup c'est « Au cours d'un conflit entre terriens et envahisseurs, l'armée fait appel à Rydra Wong, célèbre poétesse, linguiste, télépathe et capitaine du navire Rimbaud pour résoudre l'énigme du langage des extraterrestres. » Ça a l'air trop cool, et là ça me fait penser à Premier Contact, le film de Denis Villeneuve, qui a été... enfin qui est adapté de la nouvelle... j'ai oublié le nom de la nouvelle, mais de Ted Chiang dans La Tour de Babylone, le recueil de nouvelles, qui était vraiment très cool. Et je crois que Premier Contact, c'est un de mes films préférés, parce que vraiment j'adore ce film, il est trop cool. Et bref, voilà, du coup, ce livre aussi, c'est une belle bricasse, alors moins que l'autre. Il fait 700 pages, mais comme vous pouvez le constater, c'est quand même écrit assez petit et assez serré. Donc voilà, je pense qu'on peut quand même parler de bricasse pour celui-ci, même si évidemment ça n'égale pas les 2000 pages en papier bible, hein, mais c'est quand même assez impressionnant. Alors en très gros pavé aussi, attendez, je vous recule un peu. En très gros pavé, il y a cette saga de fantasy dont vous avez sûrement entendu parler, que vous avez sûrement vu en librairie, que je n'ai pas lu en fait. C'est mon copain qui les lit, qui lui est ultra fan, il adore. Bon, il a toujours pas lu le tome 5 parce que le tome 5 aussi il est assez gros. Mais bref, lui il adore, et moi j'avais commencé le tome 1 et je m'étais arrêtée. Je m'étais arrêtée, où est-ce qu'il y a encore mon post-it? À la page 300, à la moitié du livre. Oh merde, c'est con, j'aurais pu continuer, j'aurais pu me... Mais bref, je m'étais arrêtée parce que je trouvais que c'était assez complexe et je devais pas être dans l'humeur ou dans l'état pour le lire. Je sais pas que je l'avais pas aimé, c'est que c'était...
vraiment très complexe. Franchement, ça me gêne pas la fantasy complexe, au contraire, j'adore, je trouve ça trop cool que l'univers soit approfondi, qu'il y ait des intrigues qui s'emboîtent et plein de choses vraiment qui complexifient le truc. Mais là, c'était, je sais pas, peut-être que c'était trop pour moi, mais en tout cas, j'ai pas assez profité du livre pour passer par-dessus le fait que voilà, l'entrée dans le roman était vraiment ardue. Mais voilà, en tout cas, c'est des romans de fantasy, donc enfin, pour vous faire un résumé, c'est assez compliqué. En gros, c'est un univers avec plusieurs royaumes qui se tirent dans les pattes, et il y a bah, tout un tas de... Il y a un système de magie, il y a des magiciens, mais en fait, les magiciens sont reliés à des dieux, enfin un système de dieux et de religions, qui lui-même repose sur les arcanes du tarot, et il y a des espèces de chemins dans des espaces-temps différents, enfin c'est un petit peu compliqué, mais vraiment c'est très cool, et d'après les gens qui le lisent et qui ont continué dans la saga, c'est vraiment exceptionnel et très très cool, parce que justement comme l'intrigue est très complexe avec un univers bah, tout aussi complexe, il y a tout un tas de ramifications et de choses à découvrir sur l'univers et l'histoire et les personnages, donc voilà, ça a vraiment l'air très cool. Alors le tome 1 comme ça il paye pas de mine, oups désolé, il paye pas de mine parce qu'il est pas si gros, enfin pour de la fantasy ça va, c'est assez habituel, il fait 600 pages et quelques, donc dans un format assez grand. Mais alors par contre, le tome 3... le tome 3 est vraiment, vraiment énorme. Enfin, il fait combien de pages? Ah, je vois 4 lettres. Il fait 1100 pages. Il fait 1100 pages, il est énorme. Franchement, il est tellement énorme qu'il en devient flippant. Mais voilà, en tout cas, si les grosses sagas de fantasy, vous aimez ça, que vous aimez les gros pavés, les univers très complexes, et bah du coup, je ne peux que vous recommander le livre des martyrs, parce que apparemment, si vous êtes férus de ce genre de littérature, et bah c'est vachement bien, pardon. Moi, j'ai très envie de me lancer. Alors, encore un pavé qui ne paye pas de mine, comme ça, on se dit, ouais, ça va, il est pas si gros. Mais en fait, comme l'autre, le premier que je vous ai montré, le papier est ultra fin et il fait un nombre de pages impressionnant. Il fait 1940 pages. Donc voilà, faut être préparé quand même, faut être bien motivé pour commencer ça. Il s'agit de l'intégrale Malorne de Jérôme Camus, dont j'ai lu le premier tome et j'avais vraiment beaucoup aimé. Là encore, c'est un livre qui m'a été conseillé par mon copain parce que lui, c'est une de ses sagas préférées. Dans le premier tome, on va rencontrer un homme qui s'appelle Malorne et qui en fait a la particularité pardon, d'être en quelque sorte immortel, enfin, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que depuis sa première vie au Moyen-Âge, donc la première vie qu'il a vécue, à chaque fois qu'il meurt, il se réincarne immédiatement dans un autre corps et il vit une nouvelle vie, et donc il a vécu comme ça. Aïe. Il a vécu comme ça tout un tas de vies depuis le Moyen-Âge jusqu'à notre monde moderne, où en fait il va rencontrer un scientifique qui lui-même travaille pour une espèce de fondation de recherche privée qui s'appelle la Fondation Prométhée, qui a été créée par un homme très très riche, assez étrange et enfin. On sait pas trop s'il est gentil ou s'il est méchant et quels sont vraiment ses intérêts. Mais bref, Malorne va rentrer dans cette fondation et va essayer de leur prouver en fait que c'est vrai ce qu'il dit, qu'il est réellement immortel. Évidemment, les gens de la fondation vont essayer de prouver que ce qu'il dit c'est vrai ou faux. Ils vont essayer de chercher des preuves, des indices, etc. Il y a tout un tas de recherches autour du monde, de recherches scientifiques sur des pierres, sur des manuscrits pour comprendre si c'est vrai, pour retracer la vie de Malorne. Et du coup, en parallèle des recherches des scientifiques, on va bah, également suivre les différentes existences de cet homme à travers le temps et l'espace, parce qu'en fait, il va beaucoup se déplacer en plusieurs vies. Il va avoir le temps d'aller au Nouveau Monde, d'aller en Inde. Enfin, il va vraiment faire tous les pays. Et voilà, en gros, ce qui se passe dans le premier tome. Et à la fin du premier tome, il se passe un truc qui fait que, à mon avis, dans le deuxième tome, ça va être très différent. Alors un autre pavé, mais cette fois en poche, donc plus du format petite brique, il s'agit de Aquatem de Jean-Marc Ligny, qui est un roman que je n'ai pas lu là, il est à la collection Folio SF, que j'ai pas lu pourtant qui me fait très envie. On est en 2030 et en fait il y a un problème avec l'eau, c'est-à-dire, oula pardon, j'arrête pas de vous bouger, de vous faire tomber, En fait, il y a un problème écologique avec l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont totalement immergées, totalement noyées, il y a des barrages qui s'effondrent, il y a la montée des eaux, etc. Et il y a d'autres régions du monde qui sont totalement désertiques, où on n'a pas à boire. Donc il y a toute une économie de l'eau qui crée tout un tas de problèmes dans le monde et dans les sociétés. Et en fait, pour essayer de régler le problème, il y a une entreprise, enfin quelque chose comme ça, comme une entreprise, qui va essayer d'aller creuser quelque chose qui creusait... creusé à 250 mètres de profondeur au cœur du Burkina Faso, peut-être le pays le plus pauvre des pays pauvres, pour retrouver une espèce d'immense nappe phréatique, d'énormes réserves d'eau, ce qui va déchaîner tout un tas de problèmes, et apparemment c'est une sorte de thriller d'anticipation mêlé de fantastique.
contre le capitalisme. Donc vraiment, ça a l'air très chouette, ça me fait très envie. Vous savez que j'aime beaucoup les ambiances un peu apocalyptiques, problèmes écologiques et tout. Mais voilà, je l'ai toujours pas lu, bah, toujours le même problème parce qu'il est absolument énorme. Mais c'est un poche, donc ça fait un peu moins peur. Il fait 900 pages, je sais plus si je vous l'ai dit. Encore un poche absolument énorme, il s'agit de Le Passage de Justin Cronin, qui est le premier tome d'une trilogie dont j'ai déjà parlé et dont je vous reparle maintenant parce que c'est un tome que j'adore. Enfin, j'aime beaucoup la trilogie, même si j'ai toujours pas lu le tome 3. Mais ce premier tome est absolument génial et vraiment, même vous pouvez vous arrêter à celui-ci parce qu'il est tellement bien, il est tellement, vraiment, tellement une bonne lecture que vous serez pas déçu à la fin, vous serez bien, vous serez vraiment content de l'avoir lu. Au niveau du nombre de pages, bah, il est absolument faramineux, hein, comme les autres. Fait 1260 pages, donc voilà, mais franchement, ça passe tout seul. Enfin, vraiment, c'est tellement une bonne lecture qu'on voit pas le temps passer. En plus, franchement, ça va, c'est écrit assez gros. Enfin, c'est pas écrit tout petit, on s'abîme pas non plus les yeux dessus. On est du coup sur un roman à la fois apo et post-apo, parce que dans une première partie, on va nous raconter comment s'est noué l'apocalypse, enfin, comment ça s'est passé dans le laboratoire de recherche, comment les créatures se sont évadées, répandant bah, le malheur sur l'humanité. Et dans la deuxième partie, on va suivre en fait une colonie d'humains survivants qui ont survécu à l'apocalypse, enfin des descendants d'humains qui ont survécu à l'apocalypse et qui essaient de survivre tant bien que mal dans une espèce de petite ville fortifiée avec une technologie qui commence un peu à défaillir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de virus qui a fait muter les gens, qui les a transformés en espèces de vampires. Et en fait, tout le monde est devenu, enfin là, presque l'essentiel de la population est devenu un vampire. Donc bah, une espèce de créature très puissante, très rapide, qui vide les humains vivants de leur sang et qui les transforme à leur tour en vampires. Et on va suivre du coup cette colonie de survivants qui va essayer de survivre et qui va rencontrer une petite fille qui s'appelle Amy, qui va, enfin bref, voilà, il va y avoir tout un tas de péripéties et de choses qui vont se passer. C'est un roman vraiment que j'adore. J'aime énormément en fait le fait qu'on ait autant de détails et d'informations sur les personnages, même sur les personnages secondaires, ça donne mais tellement d'ampleur et de complexité au roman. Et en fait, l'auteur, il trouve de l'humanité dans tous les personnages, même les plus détestables. T'arrives à comprendre ses motivations. En fait, tu sais tellement de choses sur lui que t'as l'impression de le connaître, que c'est une vraie personne, que... Enfin voilà, bref, c'est un roman qui est super cool, qui se lit bien, le début est incroyablement fascinant alors qu'il se passe rien, et à partir du moment où on passe dans la partie post-apo, c'est là aussi vraiment trop cool, super fascinant, vraiment j'adore ce livre. Là encore, un livre qui n'a pas l'air d'être si gros, qui n'a pas l'air d'être si imposant, regardez, il est même assez fin en fait quand on le regarde de profil là pour un brush loan qui ont quand même tendance à être assez épais, mais en fait c'est un leurre parce que le papier est ultra fin, et que cette petite chose fait la modique somme de bah, 1200 pages également. Il s'agit de L'Empire brisé, l'intégrale de Mark Lawrence, et le papier est super fin, c'est un livre que j'ai déjà lu, et ça avait été plutôt une déception, parce qu'en fait j'avais tellement adoré la trilogie Le Livre des Anciens, qui est donc Sœur Écarlate, Sœur Grise, Sœur Sainte, que j'avais vraiment une trilogie que j'adore, que je vous recommande. Le premier tome vient d'ailleurs de sortir en poche et je crois que les tomes suivants vont pas trop tarder. J'avais tellement adoré cette trilogie que j'avais commencé celle-ci avec beaucoup d'enthousiasme et bah vraiment ça l'avait pas trop fait pour moi. C'est pas que j'avais pas aimé du tout, mais en fait ça me correspondait pas tellement en fait en termes de lecture, c'est pas vraiment ce que j'aimais lire, et j'avais quand même été déçue. J'ai trouvé que parfois l'action était trop précipitée, que c'était confus, un peu brouillon. Voilà, bref, c'était pas incroyable. Par contre, l'univers était assez cool. On était sur un univers post-apo, donc l'Europe, mais ravagée par les flots. La géographie avait totalement été refaite, enfin, par le temps, parce que ça se passait très très longtemps dans le futur. Et en fait, dans ce futur-là, il y avait de la magie, il y avait des choses un petit peu étranges qui se passaient. Et en fait, on allait suivre un jeune homme qui était le petit-fils de la Reine Rouge, donc la reine d'une région plutôt vers l'Italie ou la Savoie, quelque chose comme ça. Du coup, Jalan, le petit-fils de la reine, se retrouvait mêlé à une espèce d'histoire de zombies, enfin d'invasion de morts qui venait du nord en fait, et il allait se retrouver relié à un guerrier du nord qui était là pour venger sa famille, et il allait avoir tout un tas d'intrigues comme ça. L'univers était cool. En fait, c'est ça que j'avais trouvé dommage, c'est qu'il y avait tellement de choses qui étaient prometteuses, enfin qui auraient pu me plaire, et finalement ça m'avait pas tellement plu parce que je trouvais que le personnage était caricatural,
qu'il n'évoluait pas beaucoup, qu'on répétait tout le temps les mêmes erreurs en fait. C'était assez répétitif. Et voilà, mais je pense que ça peut plaire à certains quand même. Peut-être vous arrêtez pas à mon avis. Il y a sûrement un tas de gens qui vont adorer ce livre, c'est juste que moi je crois que ça me correspondait pas trop finalement. Évidemment, j'ai failli l'oublier. Là, j'ai encore de la science-fiction, un énorme. Enfin, oh là là, pareil, celui-ci est un peu flippant. Il s'agit de la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, qui est du coup une trilogie de science-fiction, qui a un peu le même format que les gros pavés que je vous ai montré, c'est-à-dire bah, une trilogie, enfin un intégral dans du papier très très fin. Et il doit faire aux alentours de 1900 pages aussi. Ah non, un peu moins. Il fait 1640 pages, donc il est quand même assez long. Et voilà, donc c'est une trilogie de science-fiction dans laquelle en fait on va suivre bah, l'arrivée des humains, enfin des hommes sur Mars, la terraformation de Mars, la colonisation de Mars et bah, l'émancipation politique et économique de Mars. En fait, c'est quelque chose qui va se passer sur un très long, très très long laps de temps où en fait on va suivre, bah, voilà, on va suivre la planète Mars dans toutes ses étapes et son évolution à travers bah, la venue des humains et les enjeux politiques et économiques de la vie humaine sur Mars. Ça a l'air vraiment très très cool. Le premier tome surtout, je pense, va beaucoup me plaire parce que ça va être le tome où les 100 pionniers, pardon, vont s'envoler sur Mars et vont devoir l'explorer, survivre sur cette planète usée et hostile. Et bah, terraformer la planète, ça m'intéresse énormément. Le premier tome, vraiment, j'ai hâte de le lire parce que je pense que ça va être très cool. Et les autres aussi, hein, à mon avis, ça va être sympa. Mais en tout cas, j'ai vraiment très très hâte de lire le premier tome. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai mis là encore dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais bah, je parle un peu. Mais je pense que j'ai peut-être été un peu ambitieuse parce que ça fait quand même beaucoup de pavés à lire. Mais voilà, celui-ci me fait vraiment super envie. C'est vraiment le genre de science-fiction que j'ai envie de lire et de découvrir en ce moment. J'ai ça aussi qui est assez imposant finalement, qui paraissait pas comme ça, mais qui fait quand même 1000 pages. Donc c'est à nouveau les éditions 10 ans Bragelonne. D'ailleurs, c'est celle qui coûte 10 euros, je vous avais pas dit. Mais c'est des éditions qui sont souvent assez avantageuses parce qu'on peut retrouver des intégraux pour des trilogies, des sagas. Pour seulement 10 euros, donc là 10 euros pour un format comme ça qui fait 1000 pages, je trouve que c'est quand même super bon plan. Et voilà, ça c'est pas moi qui l'ai pris, c'est mon copain qui l'a choisi et je crois qu'il a, non, il l'a toujours pas lu. On est donc sur Elamia Intégrale de Eric Whitsell et en fait c'est une histoire de fantasy. Bah, je vais vous lire le résumé. Alors, les morts vont envahir le monde d'Elamia, une armée de conquête lancée depuis l'au-delà par Golan Tark, le plus puissant sorcier de l'histoire. La guerre sera terrible et désespérée et les vivants sont condamnés. Qui pourrait unifier la résistance? Adrian, l'empereur légendaire qui chevauchait naguère à travers le chaos et le feu. Jokinius, le vieux mage dont l'ordre religieux s'accroche au pouvoir. Hélas, le premier a disparu dans la défaite brutale qui provoqua la chute de son règne. Et le second n'aimerait rien tant que se retirer des affaires du monde. Alors d'où viendra le salut? Peut-être de cet homme sans mémoire errant dans les ruines, son destin l'entraînera dans une quête fabuleuse jusqu'aux confins du monde, où rôdent des démons sournois, où conspirent des prêtresses au mystérieux pouvoir, et où l'attendent les dragons au cœur des montagnes. Et bah, je m'étais pas trop intéressée à ce livre avant de le prendre là, mais ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air cool, non? Je sais pas, ça a l'air vraiment sympa. En plus, bah, l'immense avantage, c'est qu'en fait, c'est pas si long que ça, puisqu'il fait que 1000 pages, enfin, l'intégrale du truc fait que 1000 pages. Donc, ça a l'air cool, ça me fait envie, ça. Ah bah je suis contente, j'ai pas fait cette vidéo pour rien. Bon, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que c'est quand même un très beau livre et un très gros livre. Donc ce sera parfait pour clôturer cette vidéo. Il s'agit du premier tome de Magipour, donc l'intégrale du cycle de Valentin. Alors Magipour, je pense. C'est une très très vaste saga de science-fiction écrite par Robert Silverberg. Et en fait ça c'est l'intégrale en fait du premier cycle. Et il y a trois cycles. En fait, il y a le cycle de Valentin, le cycle de Prestimion et les légendes de Magipour. Et là, du coup, les légendes de Magipour, je crois que c'est plutôt des nouvelles ou des tomes compagnons. Mais je suis pas sûre que ce soit une histoire qui se suive. Mais voilà, c'est vraiment une saga qui me fait super envie, que j'ai très hâte de découvrir. Parce que l'univers a l'air tellement vaste. Enfin, moi, j'aime beaucoup les immenses sagas, les grandes fresques comme ça. Mais voilà, c'est tellement de livres et tellement de pages en perspective que j'ai du mal à me lancer dedans. Mais vraiment, ça a l'air incroyable. En fait, je vais peut-être vous lire le résumé là encore. Hein. Magipour la géante. Avec ses trois continents immenses et ses océans sans limite, cette planète aussi démesurée que fascinante abrite une multitude d'espèces qui vivent en harmonie. Valentin s'éveille sans mémoire aux abords... Il y a un truc qui clignote. C'est bon.
Valentin s'éveille sans mémoire aux abords de la puissante cité de Pidruide. Il est hanté par des songes dont le sens lui échappe. Une interprète des rêves lui révèle alors qu'il est en réalité Lord Valentin, le véritable coronal de Magipour. Grâce à son don de jongleur, il rejoint une troupe de saltimbanques, aux côtés de compagnons inoubliables aux fortunes diverses mais à l'amitié solide comme Zalzan le Scandar aux quatre bras ou Otifon d'Eliamber le minuscule Vroon télépathe aux nombreuses tentacules, il entame le chemin périlleux vers une vérité bien plus trouble qu'il n'y paraît. Ensemble, ils devront surmonter les dangers de ce monde fabuleux. Au cours de cette odyssée, Valentin pourra-t-il affronter ses rêves les plus sombres et comprendre le secret des mystérieux autochtones de Magipour? Ça ressemble beaucoup à une intrigue de fantasy classique, enfin sur un schéma classique, sauf que bah, ça se passe dans l'espace, dans une cité extraterrestre. Donc voilà, ça a vraiment l'air très chouette. Le livre est très très beau, c'est aux éditions Nemos et ils ont fait bah, les trois intégraux comme ça. À l'intérieur, il y a une carte. Et voilà, c'est un hardback. Ouais, il est vraiment super beau, j'avais pas fait attention. Donc voilà, je vais reposer ça. Donc voilà, bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite incursion dans mes bibliothèques vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent ou que vous avez déjà lu ou des livres que vous me conseillez. Et voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et voilà, bon bah sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo.